Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Albert Einstein. Il arrive toujours que nous n'estimons pas un bien à sa juste valeur, tant que nous en jouissons. Mais dès qu'il nous manque, nous lui découvrons le mérite qu'il ne voulait pas nous montrer quand il était à nous. William Shakespeare. Dans une révolution, on doit triompher ou mourir. Ernesto Che Guevara. Tous les hommes font la même erreur, de s'imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent. Tolstoï. Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs. Prends le temps d'apprendre quelque chose de bon et cesse de papillonner. Marc Aurèle. La femme n'est pas encore capable d'amitié. Elle ne connaît que l'amour. Friedrich Nietzsche. Aie confiance en toi-même, et tu sauras vivre. Goethe. C'est un malheur du temps que les fous guident les aveugles. William Shakespeare. C'est un petit pas pour l'homme mais un bond de géant pour l'humanité. Neil Armstrong. La liberté consiste à choisir entre deux esclavages, l'égoïsme et la conscience. Celui qui choisit la conscience est l'homme libre. Victor Hugo. On peut avoir été un mauvais fils, un frère ingrat, un père injuste, un mari infidèle, un amant cynique, un employé incapable, un détestable citoyen, et devenir malgré tout un mort exemplaire. Jacques Sternberg. Un sot a beau demeurer des années en contact avec la science, il ne connaîtra pas plus le goût de la science que la cuillère plongée dans la sauce ne connaît le goût de la sauce. Bouddha. L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle mais la belle représentation d'une chose. Emmanuel Kant. L'homme est un animal crédule qui a besoin de croire. En l'absence de raison valable de croire, il se satisfait de mauvaises. Bertrand Russell. 50 ans, âge où vivent bien des rêves, âge qui est encore, sinon la fleur de l'âge, l'âge des fleurs. Gidonna Dufour. Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Saint François d'Assise. Il y a quatre pensées illimitées. L'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. Bouddha. Nous devons penser de toute façon, alors pourquoi ne pas penser grand? Donald Trump. Si nous savions toujours entretenir le feu de l'amour de Dieu dans notre cœur par des prières et des bonnes œuvres, il ne s'éteindrait pas. Le curé d'art. L'amour passe, paraît-il, mais la vengeance. Ah! Le temps la rend plus belle et plus terrible. Pamphile Lemay. Plus nous sentons le besoin d'agir, plus nous devons nous efforcer à la réflexion. Plus nous sommes tentés par le confort de la méditation, plus nous devons nous lancer dans l'action. Albert Jacquard. Le pardon est la plus belle des choses, mais la vengeance est tellement plus satisfaisante. Simon du Saule. Le bonheur ne dépend pas de l'endroit où l'on vit, mais de la personne avec laquelle on est. Zhang Xianliang. Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art. Victor Hugo. Le temps est un grand maître, le malheur, c'est qu'il tue ses élèves. Bouddha. Seuls les yeux ne vieillissent jamais. L'âge passe et ne touche pas le regard. Tahar Ben Jelloun. Le chagrin est une sorte de chat sauvage, de couleur grise. Son cri est plutôt triste et lugubre. Il faut se mettre à plusieurs pour en venir à bout. Car, tout seul, on arrive mal à chasser le chagrin. Francis Blanche. L'instabilité est nécessaire pour progresser. Si on reste sur place, on recule. Coluche. L'œuvre de la nature est bien plus difficile à comprendre que le livre d'un poète. Léonard de Vinci. Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente. Jules Renard. Ce tribunal que l'homme sent en lui est la conscience. Emmanuel Kant. Il arrive qu'un individu devienne le centre de votre vie, sans que vous ne soyez lié à lui ni par le sang ni par l'amour, mais simplement parce qu'il vous tient la main, vous aide à marcher sur le fil de l'espoir.
Ami. Frénétiquement. Fatou Diom. Noël n'est pas une saison. C'est un sentiment. Edna Ferbé. Je ne crains pas Dieu, je crains ses disciples. Stéphane Avquin. Je me fiche qu'ils aient volé mon idée, je m'inquiète du fait qu'ils n'en aient pas eux-mêmes. Nikola Tesla. Les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi. Walt Disney. La vie est pleine de regrets, mais ça ne paie pas de regarder en arrière. Zinedine Zidane. Je ne veux pas utiliser le mot niquer, mais j'ai bien niqué Kadhafi. Donald Trump. L'haleine du jeûneur est plus parfumée auprès de Dieu que l'odeur du musc. Mahomet. Un grand dirigeant commande par l'exemple et non par la force. Saint-Su. Si deux personnes se brouillent, c'est qu'elles étaient un peu trop bien ensemble. Paul Valéry. Le menteur à qui l'on retire son masque reçoit la même indignation que si on le défigurait. Jean Rostand. La méfiance est toujours pour moi une des formes de l'intelligence. La confiance une des formes de la bêtise. Paul Léoto. La personne la plus hésitante à faire une promesse est celle qui la respectera avec le plus de foi. Jean-Jacques Rousseau. Le pastis, c'est comme les saints. Un c'est pas assez et trois c'est trop. Fernandel. Un alcoolique, c'est quelqu'un que vous n'aimez pas et qui boit autant que vous. Coluche. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Boris Vian. Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil. Pierre Dac. L'expérience n'est une lumière qui n'éclaire que soi-même. Lao Tzu. Presque tous les hommes, frappés par l'attrait d'un faux bien ou d'une vaine gloire, se laissent séduire, volontairement ou par ignorance, à l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris plutôt que la louange. Machiavel. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Platon. La franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense mais à penser tout ce que l'on dit. H. de Livry. Le sage peut découvrir le monde sans franchir sa porte. Il voit sans regarder, accomplit sans agir. Lao Tzu. Ma vie est mon seul enseignement. Gandhi. La seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même, en espérant que les autres fassent la même démarche. Le monde ira mieux alors. Georges Brassens. Se coucher de bonne heure et se lever matin procure santé, fortune et sagesse. George Washington. Le bonheur est un mot abstrait composé de quelques idées de plaisir. Voltaire. L'esprit d'équipe, c'est des mecs qui sont une équipe, ils ont un esprit. Alors, ils partagent. Coluche. La force d'une armée, comme la quantité de mouvements mécaniques, s'évalue par la masse multipliée par la vitesse. Napoléon Bonaparte. Il n'y a qu'une route vers le bonheur. C'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Épictète. Une conséquence immédiate du fait que l'homme est rendu étranger aux produits de son travail. L'homme est rendu étranger à l'homme. Karl Marx. Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. Léonard de Vinci. Le problème en ce bas monde est que les imbéciles sont sûrs de fier comme des coqs de basse-cour, alors que les gens intelligents sont emplis de doutes. Bertrand Russell. Dieu ignore les singuliers. Averroès. Rêve comme si tu vivais éternellement. Vis comme si tu allais mourir aujourd'hui. Jeanne d'An. Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. Confucius. Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes, et 3 c'est déjà trop. Georges Clemenceau. C'est terrible de se laisser prendre dans sa routine, on s'enlise, on se sent en sécurité. Et puis, tout à coup, on s'éveille, et il n'y a plus rien, Yves de Riol. Le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de la misère, lui garantit sa dignité. Amadou Kouné. Allah crée chacun de nous avec sa chance, ses yeux,
sa taille et ses peines. Amadou Kourouma. Si vous ne pouvez pas nourrir 100 personnes, nourrissez-en au moins une. Mère Torza. L'ambition est un rêve avec un moteur à injection. Elvis Presley. Pour un mot, un homme est réputé sage. Pour un mot, un homme est jugé sot. Confucius. Faire rêver les hommes est souvent le moyen le plus sûr de les tenir endormis, précisément parce que le rêve leur donne l'illusion d'être éveillés. Gustave Thibon. Un bon discours politique ne doit émettre que des idées avec lesquelles tout le monde est déjà d'accord avant. Coluche. Il est parfaitement monstrueux de s'apercevoir que les gens disent dans notre dos des choses qui sont absolument et entièrement vraies. Oscar Wilde. En tout, l'excès est un vice. Sénèque. Travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent. Aime comme si tu n'avais jamais souffert. Danse comme si personne ne te regardait. Satchel Paige. La société de consommation porte mal son nom, car un con ne fait généralement pas de sommation avant de dire une connerie en société. Marc Esquerol. La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Dalai Lama. La dépression, c'est le novembre de l'âme, le décembre du désir. Philippe Labro. Le véritable remède contre le chômage est qu'il n'y ait plus de travail pour personne, mais pour chacun une place dans la société. Albert Jacquard. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. Ségolène Royal. La différence entre un bon joueur et un très bon joueur, c'est la personnalité. Raphaël Ibanez. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Ferdinand Foch. L'enfer c'est les autres, sauf que sans les autres t'es encore plus mal. L'homme pâle. Je connais les risques de l'amour mais j'ai toujours l'amour du risque. Nekfeu. Les gens tranquilles ont les esprits les plus forts. Stéphane Avquin. Je ne suis ni un justicier ni un héros. Je suis un homme d'action, qui n'est pas trop con et qui fait des actions que tout le monde ne ferait peut-être pas. Jacques Mesrine. Il est possible que nous vivions pas tout la réalité d'un empire africain si fort, si puissant qu'il imposerait le respect à l'humanité, mais nous pouvons cependant durant notre vie travailler et œuvrer à faire de ce projet une réalité pour une autre génération. Marc Garvey. Nous venons de différents endroits et nous avons des histoires différentes, mais nous partageons des espoirs communs et le rêve américain. Barack Obama.